C'est parti pour une nouvelle vidéo sur Stumble Guess. Aujourd'hui je suis ultra content car le concept ça va être à nouveau: je ne dois pas toucher une certaine couleur dans des parties de Stumble Guess, mais ça va être en fonction des drapeaux de pays. Wow. Et voici notre roue de la chance. On a vraiment plein de pays: le Portugal, l'Italie, la France, l'Algérie, la Suisse, l'Espagne, la Belgique, le Canada et le Maroc. J'ai essayé d'en mettre le plus possible. Vous pouvez voir déjà, il y en a des, elles ont des couleurs, ça va être impossible. On lance le premier spin. Est-ce que vous êtes prêts? S'il vous plaît, donnez-moi un pays facile au début. En vrai, la Suisse, blanc et rouge, ça passe, oui. Non, non, l'Algérie, oh, la France, ça va être la France. Oh, c'est le drapeau Algérie, blanc, vert et rouge. Wow. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. Allez, je lance la première game. Oh là là, je kiffe ce concept. Mais maintenant, faut juste croiser les doigts pour une bonne map. Évidemment, tu t'abonnes à la chaîne et tu mets ton gros pouce bleu si tu as ton pays dans la roue de la chance. Et on tombe sur Honey Drop Algérie. On se le rappelle, pas de blanc, pas de vert, ni de rouge. Oh bah, elle est super cette map. Elle est trop bien. Non, non. Regardez, une fois qu'on marche sur les dalles, elles deviennent rouges. Oh là là. Bon, bah déjà, pays d'Algérie, j'ai totalement raté le défi. Franchement, l'objectif, c'est d'au moins réussir une seule fois à gagner. On relance la roue. Allez, s'il vous plaît, en vrai, l'Algérie, c'était assez dur. Il faudrait que j'enlève, en fait, le pays de la roue, parce que si on retombe dessus, c'est un petit peu bête. La Suisse. Let's go. Ça, c'est mon pays, les gars. La Suisse, incroyable. Rouge et blanc, ça peut être assez simple. Enfin, ça, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel pays vous supportez de ce qu'on a dans la roue. Là, on est tombé sur la Suisse. Rouge et blanc, interdiction de toucher. Et j'ai même rajouté une petite condition supplémentaire. Mais non, retombe sur une drop. Bon, vous savez quoi, on va dire que là, le rouge, ça compte pas, parce que sinon, je me fais éliminer dès le début. Mais oui, du coup, regardez, en fait, je vais à chaque fois prendre un skin qui représente un petit peu le pays. Bon, là, du coup, j'ai pris un petit skin. Bon, j'aurais bien voulu plutôt un bonhomme de neige, mais pour la Suisse, il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui viennent ici pour faire du ski. Je me suis dit, on va prendre un petit peu un skin hiver, c'est assez sympathique, et je vais faire ça pour chacun des pays. Bon, évidemment, ça sera toujours des trucs un petit peu rigolo, hein, c'est pour le fun. Par contre, faut que j'arrive à me qualifier aussi, mais là c'est bon. Par contre, c'est vraiment un concept que j'adore, ça, ne pas toucher une couleur dans des parties. Je trouve ça rajoute vraiment un truc assez sympa. Oh, ok, là c'est bon. Je vous le rappelle, pays suisse, rouge et blanc, interdiction. On doit juste pas aller sur les plateformes des côtés. Heureusement qu'on n'a pas apparu dessus, sinon j'aurais eu trop le seum. Déjà 4 éliminés sur 8, mais ils sont nuls les autres ou quoi? Bon, on va juste garder mes distances. Imaginez, je me prends une bombe qui me projette au milieu. Oh, j'aurais trop le seum. Oh, je me suis fait punch, mais c'est bon, je suis qualifié en finale. Mais bon, on a quand même eu de la chance, hein. Le pays suisse, c'est vraiment pas le plus dur. Et on tombe sur bloc dash, let's go. Je crois pas qu'on a du rouge en bloc dash, hein. Il faut quand même que je reste vigilant, mais je crois que là, on est bien parti. Oh, regardez les pics de bloc dash. C'est clairement, bon, c'est un petit peu gris, mais franchement, je trouve qu'il y a du blanc. Donc, on a un challenge à faire: ne pas toucher les petits picos là de nos petits blocs dash. Oh là là, faut faire attention. Ah, faut que je passe au milieu. J'ai pas le droit de faire la danse et juste me laisser passer comme ça. Non, 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 il faut que je contourne. En plus, il y a zéro éliminé sur cette. Allez, toi, hop là, je t'envoie sur le pic. Oh, c'est bon, je suis passé. On va essayer de le punch ici, regardez lui. Hop là, non, non. Le karma instant. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Du coup, j'ai pas pu sauter. J'aurais tellement pu faire top 1 là. Mais bon, tant pis. Allez, on a encore plein de pays à tester. On relance la roue. En vrai, je trouve trop trop cool ce concept. J'espère que vous allez kiffer aussi. Et on va tomber, je crois, sur l'Espagne. Oh, mais attendez, ils ont tellement de couleurs. Bon, on est d'accord que c'est rouge et jaune. On va pas compter toutes les couleurs à l'intérieur là. Bon, de toute façon, c'est moi qui fais les règles. Par contre, là, j'ai trouvé un skin incroyable pour représenter l'Espagne. Franchement, c'est 100% vrai. Mais du coup, rouge et jaune, pas le droit de toucher. Oh, mais ça va être trop dur, Crabs Landing. Tout le sable est jaune. Oh là 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 là, regardez-moi le petit skin que j'ai équipé. Le skin avec son gros coup de soleil. Eh bah oui, parce que tout le monde va en Espagne pour faire bronzette au bord de la plage. Et en plus, on tombe sur, sur la map Crabs Landing, ça va parfaitement ensemble. Mais par contre, le jaune, il y a toute la plage. Et regardez, même au fond, le crabe, il est totalement rouge. Oh, bah c'est déjà perdu d'avance. Regardez, je peux aller où? Ok, bah je peux aller sur le petit truc vert là. Je suis vers mon palmier, maintenant je fais comment? Several days later. C'est impossible, regardez, je peux avancer. Mais voilà, j'ai touché du jaune. Oh, en plus le crabe en rouge. Bon, je me suis fait allumer. Il nous reste quand même des pays encore très très intéressants: le Maroc, le Portugal, l'Italie, la France, la Belgique et le Canada. Et c'est parti, en vrai, je sais pas lequel c'est le plus dur, hein.
En vrai, l'Italie. Oh, le Portugal, je crois. Oh, oh, Portugal. On va dire qu'en vrai, c'est surtout vert et rouge. Et jaune, ça dépend de la map. Allez, pas de rouge ni de vert. En vrai, je pense que là, ça va être la couleur verte qui va poser problème. Oh, let's go. Space drop. Bon, ça va de nouveau nous faire la même chose pour la couleur rouge. Mais allez, on se donne un petit bonus pour celle-ci. Pardi équipé le skin Cristiano Ronaldo. Bon, non. Non. Quoi? J'ai fait un saut. Je suis descendu tout en bas. Bah, je crois que j'ai même pas touché la couleur rouge du coup. Mais j'ai quand même perdu. Bon, bah, il y a des pays, ça va vraiment très très vite les parties. Je suis un petit peu dégoûté. On a toujours la France. Oh, on va tomber dessus. Eh non, on est passé sur l'Italie. Et ben là, c'est la même chose qu'avant pour le Portugal. Mais en plus dur, on n'a pas le droit de toucher la couleur blanche. Par contre, je trouve vraiment ce concept beaucoup trop bien. Je pense que ça se voit, je suis en train de kiffer à faire la vidéo. Mais maintenant, concentration. Une bonne map. S'il vous plaît, Stumble Guys. Oh non. On n'a pas le droit au rouge, au vert et au blanc. Bah voilà, on est déjà sur du vert. Voilà, giga défaite. En même temps, on est tombé sur une map impossible. Oh, je suis deg. Bon, bah c'est perdu les gars, on respecte les règles. Après honnêtement, est-ce que c'était vraiment possible pour moi de gagner? Je pense pas. Bon allez, on lance encore un spin. On a encore un total de 4 pays. Pas de top 1 pour l'instant. Mais regardez, on a encore tous ces pays. Oh, la France. Oh, oh, c'est la Belgique. Noir, jaune, rouge. Honnêtement, ça doit être un des pays les plus compliqués. Mais ça dépend toujours de la map. Oh, abduction avenue. Noir, jaune, rouge. En vrai, on est tombé sur une map plutôt cool. Oh, je suis content. J'ai mis un petit skin. Je crois que c'est le maillot de la Belgique. Mais je suis pas du tout sûr. En tout cas, il avait les mêmes couleurs. Et avant, pour l'Italie, j'avais mis un petit cuisinier. Voilà, qui nous avait fait une bonne pizza et qui nous avait fait des pâtes al dente. Il y a quand même pas mal de jaune, faut faire attention. On passe sur le vaisseau. Bon là ça va, c'est pas du noir non plus, c'est clairement du violet. On a les petits cailloux quand même, on va rester vigilant. Oh par contre on a pas mal de jaune. Là le petit passage piéton. Ok, on passe. Oh, je me suis pris un punch, non. Faut quand même que je me qualifie. Mais j'ai l'impression que là il y a quelque chose à faire. Ok, on monte avec la soucoupe volante. Non, je suis pas arrivé assez haut. Allez, c'est maintenant ou rien. Oh oui, c'est bon, je suis passé. Vite, et mot de ballon. Allez, on trace maintenant, on trace, on trace, on trace. Oh, les flèches jaunes. Oh, c'est bon, je suis passé. Attendez, bon, ça, c'est pas du jaune, c'est du orange, hein. Vous m'excuserez, mais c'est bon, on est qualifié, let's go. Oh là 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 là. Oh, bon, en plus, on a des frites. Eh, franchement, si ça, c'est pas hasard, on a le pays Belgique et on tombe sur une map où il y a des frites, quoi. C'est vraiment la seule, en plus. Bon en vrai ça va, ça c'est du rose hein. C'est pas du rouge les gars. Est-ce que je suis en train de tricher? Non franchement je trouve pas. Je trouve vraiment que c'est pas vraiment du rouge pétant. On va dire que je suis encore dans le game. Par contre là le jaune, on va passer vers les frites. Oh c'est chaud, là c'est du rose. Ou à moins que je suis daltonien hein, mais pour moi. Ah. C'est bon, je suis passé. Les maïs, il faut absolument les esquiver. Les tacos géants, c'est la même chose, même si c'est pas vraiment du jaune jaune. Oh, par contre, les sauces ketchup, ça c'est rouge. Ça, regardez, c'est du vrai rouge. Allez, on passe pour l'instant, on est pas mal. Oh, j'allais monter sur le fromage, mais le fromage il est totalement jaune. Il faut pas non plus qu'on meure. Ok, on a les boules de feu qui sont jaunes aussi. Oh là là, cette map en vrai elle est parfaite, mais je pense que je vais réussir à me qualifier, les gars. Oh, les sauces jaunes et rouges, ça va être impossible. Je. Je vais pas réussir à me qualifier. Allez, on fonce. Vite. Non. Non. Je me suis pris la sauce jaune. Non. Oh, je suis deg. Franchement, on s'était presque qualifié en finale. Bon, allez. L'avant-avant-dernier spin. Oh. On est tombé sur le Maroc. Rouge et vert. En vrai, il y a moyen. C'est un petit peu pareil que le Portugal, mais on va essayer. Par contre, il nous reste toujours encore le drapeau français, les gars. Oh là là, on va voir. Et le drapeau canadien, avec lequel je vais réussir à faire top 1, parce que pour l'instant, on enchaîne défaite sur défaite. Et là, allez, le Maroc, donne-moi une bonne map. Oh, let's go. Ça, normalement, c'est bon. Il n'y a pas de rouge ni de vert, à moins que je tombe du toboggan. Oh. Ok, si, il y a du vert juste ici. On va juste faire attention. Voilà, skin marocain, j'avais pas trop. Non! Ça m'a poussé dessus. Je suis trop nul.
Mais non. Bon bah je suis éliminé. Et ouais, je veux dire, skin marocain, j'avais pas trop d'idées, mais je sais qu'il fait chaud aussi là-bas. Donc j'ai mis un petit bonhomme avec un coup de soleil. Et voilà, comme ça il se rafraîchit un petit peu dans son toboggan. Mais franchement, je suis dégoûté d'être mort là au début. Oh, c'était dommage, j'avais chopé une super map. Regardez, là je pourrais arriver à la ligne d'arrivée tranquillement. Mais non, vu que j'ai raté le défi, eh ben on s'arrête ici. On laisse tous les autres passer. Voilà les gars, qualifiez-vous, ça me fait plaisir. Et on remonte carrément le toboggan. Incroyable. Bon allez, pour le duel final. Franchement, je préfère tomber sur le drapeau canadien, qui me semble quand même plus facile. Mais de toute façon, on va quand même le faire, le drapeau français après. Oh là là, rouge et blanc. Ça va, c'est comme la Suisse, on avait quasiment fait top 1. Allez. Oh, Space Rump. Bon, ça me fait de nouveau la même histoire qu'avant. On va pas compter la couleur rouge, mais par contre, il faut pas que je meure au bout d'un saut. J'ai mis le petit skin du Père Noël parce que voilà, au Canada, il fait aussi très très froid. Et en plus, on est bientôt en hiver. Il a les bonnes couleurs, rouge et blanc. C'est le skin parfait. Oh. En plus, il met des gros punch en l'air. C'était magnifique. On le qualifie, let's go. Allez, oh, oh là là, abdiction avenue, magnifique les gars, en vrai, rouge ou blanc. Mais c'est nickel, y a rien du tout. Ah si quand même, regardez, il y a par exemple du blanc sur les petits rouleaux là. Bon, faut faire attention, mais normalement ça devrait pas être trop dur à les esquiver. Du rouge, il y en a absolument nulle part, à part, oh, les petites barrières. Bon, c'est un petit peu rose, mais allez, il y a du blanc par contre. Les lasers, faut quand même se méfier. Et regardez, on peut même prendre le petit ascenseur tranquillement, alors que comparé à avant, c'était un petit peu plus compliqué. Oh, je l'ai pas vu venir celui-là. Et on a aussi la ligne d'arrivée. Attendez, on va faire le tour. Et voilà, comme ça, pas de risque. Allez, c'est maintenant que je peux potentiellement faire un top 1. Oh, ok, le rouge, va falloir faire très attention. Des robots quand ils deviennent énervés. Le blanc, on a des délimitations. Oh, c'est la map parfaite. En vrai, il y a moyen de faire top 1, mais on a quand même certaines contraintes. Est-ce que ça va être le Canada qui va remporter le défi, en tout cas, où j'aurai réussi à faire top 1? Oh, on a aussi les robots de bonne bâche. Regardez leur pic. Non. J'ai sauté sur la ligne blanche. Oh là là, en esquivant un robot. Bon, notre dernier espoir, les gars. Bah du coup, on va tourner la roue pour le beau geste. Sur quoi on va tomber? C'est évidemment le drapeau français. Notre dernier espoir de faire du top 1, même si on y est quasiment arrivé deux fois avec le drapeau suisse et canadien. Le blanc rouge maintenant, à mon avis, c'est un des pays les plus compliqués. Mais allez, bonne map, s'il te plaît, Stumble Guys. En plus, je vous ai mis un petit skin. Vous allez kiffer tous les Français qui me regardent, car je sais que vous êtes quand même une majorité. Et donc, en vrai, j'ai la pression, là. J'ai pas le droit à l'erreur. Oh, oh. Bleu, blanc, rouge. On tombe sur la map Ice Yates. Oh. Bon, en soi... Ouais, non, c'est du blanc, les gars. Non. Regardez, je vous avais mis un gros skin spécial parce que vous êtes tout simplement des gros pigeons de Stumble Guys. Mais malheureusement, bah c'est perdu. En plus, je me prends une grosse boule de neige. Mais j'espère que t'as kiffé cette vidéo BG. Et moi, je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao.